Salut les gars, c'est Wissef et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, moi, je parle des choses qui m'arrangent, mais aussi et surtout des choses qui me dérangent. Alors les gars, vous savez, j'ai vu la dernière fois un direct de DJ Arafat où il a lancé un message à ses fans et à tous ceux qui aiment aussi sa musique et tout ça. Voilà, c'est un direct qui m'a beaucoup plu et franchement, j'ai beaucoup apprécié ses propos, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit dans ce direct-là. Donc, je vais vous rediffuser une partie de ce direct-là et puis je vais vous donner ma réaction. Suivez. Mais les fans, on a une grande mission. Aucun artiste dans le coupé décalé n'a eu de Dix d'or. Aucun artiste dans le coupé décalé n'a eu un Dix de platine. Telle est ma vision. Et pour qu'on puisse avoir notre Dix d'or, très cher fanatique, c'est avec votre aide qu'on pourra avoir ce Dix d'or. Allez-y sur iTunes, achetez Enfant Béni. Vous êtes fan de DJ Arafat, c'est le moment de le prouver. Il faut acheter. Il faut écouter les sons en streaming, c'est Deezer, Spotify, Amazon et tout. Terminez les sons gratuits. Pendant 15 ans, je vous ai donné des sons gratuits. Donc, rendez-moi aussi l'ascenseur. Tous les fans de DJ Arafat, autant pour moi, vous devez acheter les sons de votre artiste. Vous devez acheter l'album de votre artiste. C'est comme ça qu'on aura notre Dix d'or et nos double Dix de platine. Vous fermez la bouche de beaucoup de personnes. Faudrait qu'on soit ensemble pour avoir ce Dix d'or. Faudrait qu'on soit ensemble pour montrer qu'on est fort. Voilà. Donc sur ce, bonne journée à tous mes fans. Et sachez que je suis prêt pour vous. Achetez Enfant Béni. Achetez l'album. Car cet album-là, vraiment. Je vous dis, c'est pas bon. Hein? Je suis pas bon, hein. Alors, comme vous pouvez le constater, les gars, c'est important pour tous les artistes que vous, les fans, vous achetez leur album. C'est important pour eux que vous, les fans, vous achetez leur single. Les gars bossent dur pour faire sortir des titres. Les gars dépensent beaucoup d'argent pour faire sortir des titres. Et quand ils le font, c'est non seulement pour vous, votre bonheur, et aussi pour eux, leur évolution. Leur évolution sociale et leur évolution professionnelle. Que deviendrait un artiste s'il dépense beaucoup d'argent pour faire sortir un titre et que après personne ne l'achète? Les gars, quelle que soit la musique qu'il va faire sortir, que vous allez aimer, si vous ne lui donnez pas un coup de pouce, notamment en achetant son single ou son album, les gars, vous le tuez indirectement. Vous tuez son talent indirectement. Donc cette vidéo là, je la fais spécialement pour féliciter Didier Arafat et pour l'accompagner dans ce qu'il dit. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les gars, depuis que je fais des vidéos lancer ce type de message du genre acheter les albums de vos artistes préférés et entretenir indirectement votre artiste, parce que quand vous vous achetez, vous lui donnez de l'argent qui va lui permettre aussi de pouvoir payer les services d'un arrangeur et aussi lui permettre de produire de nouveaux singles ou de nouveaux albums. Voilà, donc vous lui donnez de l'argent indirectement. Soyez-en fiers, les gars. Parce que moi, la dernière fois, quand j'ai acheté le single de DJ Arafat, j'ai pris conscience ce jour-là que je lui donnais de l'argent. Il y a une sensation bizarre, une vraie, une belle sensation que vous sentez de savoir que tel artiste est une star de renommée internationale, mais vous, en tant qu'un simple individu qui n'est connu de nulle part, vous lui donnez de l'argent et il dépend de l'argent que vous donnez. C'est une sensation assez exceptionnelle que vous ressentez là. Surtout quand vous aimez l'artiste. Alors les gars, comme je le disais, depuis que je lance les messages pour dire achetez, jusqu'à preuve du contraire, c'est Arafat Didier, le seul artiste qui, de manière indirecte, accompagne ce que je dis. Il fait des directs sur Facebook pour demander aussi à ses fans d'acheter les albums, d'acheter les CD, d'acheter les singles et tout ça. Parce que lui, en tant qu'artiste, il en dépend aussi. C'est pourquoi moi, de manière spéciale, je félicite Arafat Didier pour le message qu'il envoie à l'endroit aussi de tous ses fans et tout ça dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Alors, il envoie tout le temps des messages aussi à ses fans pour leur dire achetez. C'est pourquoi j'aimerais dire aussi ici à Arafat Didier que nous allons tous te soutenir. Joe, tu auras ton 10 d'or. Les gars, il faut lui donner ce 10 d'or. Pas parce que vous êtes fan d'Arafat,
mais parce qu'il le mérite. Le jour où je verrai un autre artiste faire une déclaration pour appeler les fans à acheter son single ou son album, je vais aussi l'accompagner dans une vidéo pour leur demander effectivement d'acheter. Mais jusque là, comme c'est uniquement Arafat qui m'accompagne indirectement dans mes propos et tout ça, donc je vais l'accompagner directement pour que lui aussi il ait son disque d'or, comme je l'ai dit les gars, parce qu'il bosse dur pour ça, il vise toujours le sommet. C'est pourquoi il faudrait qu'on le mette toujours au sommet les gars. Voilà, comme il a dit dans son message vidéo, il s'est toujours là pour vous les fans, il s'est toujours tué pour vous les fans, il s'est toujours humilié pour vous les fans. Ça se sent que après sa mère et son défunt père, vous les fans, vous faites partie des personnes les plus chères pour lui. Il vous porte dans son cœur. C'est pourquoi pour lui ramener l'ascenseur les gars, vous avez juste à lui prouver que vous êtes vraiment prêt pour lui. Achetez les gars, faudrait qu'on soit tous nombreux pour le pousser vers le disque d'or. Achetez les gars, faudrait qu'on soit tous nombreux pour l'aider à obtenir ce disque d'or. Eh bien, on va mettre le hashtag donner le disque d'or à Arafat Didier. Ah ouais, parce que vous savez quoi, le futur les gars, ça commence maintenant. Yeah.